j'ai reçu un mail d'un docteur qui travaille, qui est docteur à Los Angeles, qui est venu à Paris, de Los Angeles, me dit « Benjamin, je voudrais t'amener quelque chose pour toi ». C'est vraiment un cadeau très très beau. Pour toi? Pour toi. Je pensais, je me suis dit, c'est, en plus, comme c'est lui qui avait constaté que Aurore était enceinte quand j'étais à Los Angeles, je me dis, voilà. Mais pourquoi il a constaté il a fait une prise de sang. Bon, tout simplement. On aurait pu le voir. Et bref, il m'a dit, je me suis dit, il est venu avec un cadeau pour mon fils. D'ailleurs, quand. C'est vous qui allaitez ou c'est votre femme? Un jour sur deux. Un sein sur quatre. Figurez-vous que ce docteur aussi, sa fille s'est lancée dans la mode. Non. Et je me suis dit, elle va m'amener quelque chose de sympa pour mon fils. Et donc il a un cadeau pour vous. Je croyais qu'il avait un cadeau pour moi. Oui. Et une fois de plus, même à Los Angeles, on ne parle que de vous. Non, mais c'est pas vrai. Non. C'est bon. C'est une petite beauté. Design from Los Angeles. Ah oui, mais c'est très beau. C'est très joli. C'est magnifique. Alors, c'est très joli. C'est magnifique. C'est très joli. Alors, hyper ressemblant. C'est joli. C'est ça. C'est une créatrice. Merci. Ouais. Ouais. Une photo. Elle a mis une photo. Je crois que je vais recevoir ou j'ai la même pour vous. Mais non, non. Ah bon, je crois. Je sais pas si Alexandre pouvait. T'as la même? Ah, parce qu'elle faisait la maille. Si Alexandre peut m'amener l'autre, allez-y. Amenez celle de Kelly Védovelis. C'est vrai que ça. Franchement, mais j'ai l'air très sympa. Enlevez-moi celle, s'il vous plaît. Enlevez-moi ça, bordel. Les sourcils très attirants. C'est vrai. C'est magnifique. Ça va être donc en vente à Los Angeles. Ça va être en vente à Los Angeles. Ah oui, mais qui va l'acheter? S'il vous plaît, c'est un cadeau. On reçoit un cadeau comme on l'entend. En tout cas, c'est très beau. Voilà. Merci, merci. Voilà, vous merci. Et vous avez la même pour un. Ah bah oui, elle est là. Ah bah attendez. Non, non, je vais la regarder d'abord. Non, mais c'est beau. Attendez. Ah oui, c'est très ressemblant. Voilà. Ah, franchement, non, c'est très beau. Ah, c'est très beau. Ah, vraiment. Ah, oui. C'est très ressemblant. Mais quel en grand derrière. Ça s'enlève ou pas? C'est très beau. Alors, Frédéric, on a merci. C'est vraiment un grand talent. Franchement, c'est super. C'est très beau. C'est une édition limitée. C'est très ressemblant, le nez. C'est le nez de Verdez. C'est le nez Verdez. C'est très beau. J'aime beaucoup. C'est Gilles Védovelli. Et je remercie cet artiste talentueux. Non, mais vraiment bravo. Alors, tenez votre cadeau. On vous le donne. Merci. Et merci, Benjamin, de nous donner des aussi beaux cadeaux. Ça vient de Los Angeles. Alors, c'est français. Ne vous inquiétez pas, peut-être ça part au lavage. Non. Oh, respectez les artistes. C'est magnifique. Vous aimez ça, vous? Oui. Je la mets pour la peine. Non. Ouais, voilà. C'est vrai, je suis non, jaloux. Pas tout de suite. Passez-la parce que pour le micro. Mais la veste, elle vous va hyper bien. Franchement, elle est géniale. La veste, c'est beau. Génial. Et vous voyez, vous savez quoi? Bravo. Voilà. Bravo, très beau, bravo. Franchement. Bravo Védovelli, ça vous va très bien. Non vraiment, et merci, vous remercierez votre ami. Bah, merci beaucoup. Oui. C'est des artistes et les artistes, on les respecte. Sans avoir envie de porter des demain. Vous pourrez peut-être décorer votre pied à terre à Los Angeles. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pourrez peut-être décorer votre pied à terre à Los Angeles, faire une fresque. Ah oui. Alors vous allez me faire chier longtemps. Je vous ai dit maintenant vous avez un docteur parce qu'il est docteur à Los Angeles. D'accord. Oui c'est bon. Vous êtes malade. S'il vous plaît foutez-moi la paix. Vous allez le porter quand ce beau blouson? À Los Angeles. Pour une grande occasion, j'ai un gala samedi. Ah oui. Avec Eva Longoria. Qui sait peut-être avec Eva Longoria peut-être. À savoir. Qui sera avec nous vendredi d'ailleurs Eva. Et samedi soir peut-être, pourquoi pas quoi, hein, je vais vous dire, c'est peut-être le moment de sortir les gros bails.